Salut Bissamob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 12 de RPG A Day. La question d'aujourd'hui, alors que je cherche à tout prix le document que j'avais ouvert, le voilà. Question numéro 12, un jeu de rôle avec des bonnes campagnes. Ouais, c'est compliqué, mais un jeu de rôle avec des bonnes campagnes, c'est généralement un jeu de rôle qui a publié plein de campagnes. Il y en aura forcément des bonnes dans le tas, il y en aura aussi forcément des mauvaises. Mais moi, le jeu que j'ai connu pour ces campagnes, c'est Pathfinder. Kingmaker, Colère des Justes. Le Retour du Seigneur des Runes, qui n'est pas de Pathfinder, je sais, mais qui est adapté sur Pathfinder. Voilà, pour moi, c'est les bonnes campagnes. Après, je ne les ai jamais jouées. Kingmaker, le mieux que j'ai fait, c'est maîtriser deux bouquins, préparer le troisième, et la table s'est écroulée deux fois de suite. Enfin, deux tables différentes à peu près à ce moment-là. Le mieux que j'ai pu faire, c'est jouer le jeu vidéo, qui est une approximation de l'histoire. Puisque, bon, on ne peut pas réellement réussir à refaire ce qui était prévu. Donc voilà. Enfin, un jeu vidéo ne pourra jamais vous donner la profondeur et la complexité d'un vrai jeu de rôle. Logique. Peut-être un jour, quand les IA seront suffisamment bien développées, intelligentes, pour pouvoir réagir à la volée sur vos actions, mais pour le moment, non. Pour l'instant, il y a des voix préparées, préenregistrées, et vous choisissez la voix qui vous intéresse, et puis c'est tout. Mais vous ne pourrez jamais avoir la liberté de choix qu'a un vrai jeu de rôle sandbox. Voilà. Je pense que je vais pas... Je vois pas ce que j'ai plus à dire malheureusement là-dessus. On serait sur la vidéo où je répondrais juste à la question, elle serait déjà finie maintenant, mais il y a le thème. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le mot-clé. Je suis désolé. Décidément, c'est un truc que j'oublie toujours parce que c'est pas sur mon texte. C'est Well Supported Campaigns. D'accord. Well Supported. Donc bien supporté, bien développé, bien. Entretenu, ce genre de choses. Voilà. Mais là, je vais passer au thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, avant de jeter le dé, c'est... Parallel Worlds, donc les mondes parallèles. Je vais passer sur ma webcam de merde pour vous lancer le dé. On va jeter le dé. Et aujourd'hui... La caméra, elle n'est pas centrée sur l'écran, elle est là. C'est un 5. Donc aujourd'hui... Je dois créer une légende ou une rumeur. Sur les mondes parallèles. Alors, dans Silvertal, il n'y a pas de monde parallèle, donc je vais avoir du mal à développer ça. Donc je ne vais pas le faire dans cet univers-là. Dans quoi je vais pouvoir bosser? C'est un peu compliqué. Dans quel jeu JDR que j'ai connu, il y a vraiment l'idée et la notion de monde parallèle. J'en ai une. On va faire dans l'humour. C'est lié à aucun univers de jeu de rôle. C'est au mieux, ce serait un équivalent d'un truc façon SCP, une entité paranormale qui existe dans l'univers. C'est... une légende urbaine, qui est que, en fait, il y a un camion qui roule. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un camion qui existe vraiment, c'est un camion qui apparaît de temps en temps, comme ça, à travers le monde, à des endroits différents, et qui vient généralement percuter une personne, des fois plusieurs. Et les personnes qui se font percuter comme ça ne meurent pas. Elles disparaissent. On ne les voit plus. Donc il y a des gens qui ont été témoins de l'accident. Le camion, il percute quelqu'un, il fait un délit de fuite et il continue sa route. Et la personne qui a été touchée a disparu. Et vous savez où ça nous emmène. Puisque je vous présente un SCP qu'on va appeler Trokkun. Pour ceux qui connaissent le manga, c'est le même du démarrage de l'Isekai, donc d'un genre de manga qui existe, où les gens se font téléporter, se font invoquer, se font envoyer dans un autre univers, généralement un univers de fantasy,
et devienne un très grand héros. C'est généralement, on démarre avec un anti-héros et quelqu'un qui soit accepte sa charge de nouveau héros et se découvre être quelqu'un qui est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort et beaucoup plus moralement fort aussi que ce qu'il pensait dans sa vie précédente au Japon, généralement. Bref, il devient héros. Ou bien il rejette ça et malgré lui, il se retrouve catapulté au milieu généralement d'une invasion, généralement de démons. Et c'est lui l'être le plus puissant de ce monde et il va devoir le protéger, même si c'est que pour protéger ceux qu'il a, avec qui il est devenu ami ou qu'il est tombé amoureux dans ce nouvel univers où il a dû refaire sa vie. Voilà. Ça, c'est généralement les poncifs de l'isekai. Il y a déjà des. C'est maintenant un genre tellement usé et abusé qu'il y a déjà de très bonnes parodies et de très bons retournements de ce concept qui marche. Donc voilà. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose. Je suis pas, comme je vous l'avais déjà dit avant, je suis pas un grand fan d'anime ni de manga. Donc voilà quoi. Moi, mon manga préféré, c'est Okutonoken, donc Ken le survivant. Voilà, c'est un vieux maintenant. Il est aussi vieux que moi. Et donc, ouais, forcément. Mais voilà, c'est. Et donc, la légende serait que, effectivement, si vous, si tu, des fois, il arrive qu'un camion sorte de nulle part, littéralement. Il prend un virage alors qu'il n'était pas là précédemment. Les caméras de trafic le poussent. Et à un moment, il n'y a personne. Et puis, d'un coup, pop, il apparaît. Ou bien, il entre dans le champ et. Il vient percuter quelqu'un ou un groupe et il se barre et les gens qui l'a percuté ont disparu. Voilà. Un petit détournement façon SCP du trope pardon de l'isekai, je trouve ça rigolo. Très bien. Ah, je pense avec ça que j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour des questions et des thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma vidéo de demain, je vous dis à tous à demain, justement, ou plutôt comme on dit chez moi, bis morgen.